Take a look at that. Bon, ben, je vais d'abord vous parler de Funky Town, un film dans lequel je joue un personnage un petit peu... qui est un film bilingue qui raconte... OK, je vais essayer de faire ça simple. Qui raconte la fin du party du disco. Dans les années disco, il y a eu... tout le monde pensait qu'on s'en allait pour la gloire, etc. Mais ça a été la descente aux enfers pour plusieurs, dont mon personnage en Funky Town, qui est une espèce de l'animateur de télé, de radio, qui est super hot et tout, et qui va tout perdre dans la vie. Mais quand je dis tout perdre, c'est quand vous pensez qu'il a tout perdu, il en perd encore un peu. Puis là, quand vous pensez qu'il est rendu dans le fond, il creuse un autre deux pieds. Fait que c'est ça, Funky Town. Alors, je m'appelle Xavier Dolan, je suis réalisateur. J'ai réalisé un premier film qui s'appelle « J'ai tué ma mère » et puis là, j'ai réalisé mon deuxième qui s'appelle « Les amours imaginaires ». Je vous encourage à aller voir « Les amours imaginaires ». C'est un film qui parle de la peine amoureuse. Je pense que personne ignore la douleur de la peine d'amour. Tout le monde en a vécu une ou, si vous êtes chanceux, plusieurs. Et puis, c'est un film en fait sur deux amis qui s'éprennent de la même personne et dont l'amitié se détériore au fil de tout ce qu'ils mettent en œuvre pour obtenir l'objet de leur désir. Donc, j'espère que vous reconnaîtrez dans ce film. Moi, en tout cas, je m'y reconnais. Mon nom est Fabienne Larouche. Je vais vous parler du film « Demande à ceux qui restent » de Louis Bélanger. Louis Bélanger, c'est un grand cinéaste. Denis Arcand dit de lui que c'est probablement un de nos plus grands. C'est un texte formidable, avec des acteurs incroyables. Et c'est une histoire tellement touchante, vous allez être bouleversé. Vous allez être interpellé, puis vous allez être bouleversé. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Fiez-vous sur moi. Bonjour, mon nom est Julie Le Breton. Et je joue le personnage de Louise dans le film 100 milliards de neurones de Michel Monti. Bien, je voudrais venir voir 100 milliards de neurones pour être touchée, pour être émue, mais aussi pour voir un film qui est plein d'espoir, qui est plein de lumière, pour découvrir l'univers d'un nouveau réalisateur. C'est le premier film de Michel Monti. Bien, moi, personnellement, j'ai pas encore vu le film. Il est encore en montage, il est en train d'être finalisé, mais il y a des groupes qui l'ont vu. Et à date, ça plaît à beaucoup de gens. Fait que moi, j'ai personnellement très, très hâte de le voir. Et quand il sera en salle, ben, je vous invite à tous y aller aussi. Bonjour, mon nom est Claude Legault. Je vais vous parler du film 10 et demi, où je joue le rôle d'un intervenant qui s'appelle Gilles. Et j'essaie de sauver, entre guillemets, un jeune garçon qui est vraiment mal parti dans la vie, qui est issu d'une famille, disons, assez difficile. Une mère psychiatrisée et un père, mettons, absent. Donc, c'est un enfant très colérique, qui a beaucoup de colère, beaucoup de rage, beaucoup de haine en dedans de lui, puis j'essaie de découvrir pourquoi. Puis je suis peut-être le seul individu qui lui donne un peu d'attention sur sa route depuis qu'il est né. Alors, c'est le contact entre cet individu-là, Gilles, et ce jeune garçon-là. Macha Grenon, je présente le film André Mathieu et la raison pour laquelle vous devriez vraiment aller voir ce film, c'est qu'André Mathieu est un grand compositeur québécois qui a été très mal connu de son vivant, qui a laissé une œuvre absolument magnifique qui a été remise au monde par Alain Lefebvre. Et si ce n'est que pour ça, venez voir notre film pour entendre cette magnifique musique. 25 ans plus tard, André Mathieu va vivre grâce au cinéma avec des acteurs extraordinaires comme Patrick Drolet, qui va incarner André Mathieu, Macha Grenon. Pour moi, c'est une grande émotion. Ça va être une grande émotion, à mon avis, qui va atteindre le monde. Merci beaucoup. Je ne sais pas si cet enfant-là est un génie, Wilfried, mais je sais qu'il a du génie.
Vous avez tout ce qu'il faut pour devenir un grand compositeur. Si j'ai mis un triolet, c'est parce que je voulais un triolet. Je t'avertis, change de face. J'en ai ma claque de tes petits airs de vedette. Ce qui se passe ce soir, c'est très important pour nous. Vous pouvez certainement devenir le plus grand pianiste de votre temps. Ce qui m'intéresse, ce sont mes compositions. André Mathieu est devenu un vulgaire amuseur de foule. Ils m'ont oublié. Les gens m'ont oublié. Vous avez pris ma jeunesse, mon argent! Qu'est-ce que vous voulez, hein? Vous voulez quoi? Ça fait mal jusqu'au fond de l'âme. T'es en train d'apprendre à devenir un homme, mon garçon. L'Orchestre symphonique de Montréal.